l'actrice Hilary Swank était sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert cette semaine pour faire la promotion de Trust, sa nouvelle série. L'occasion pour elle de raconter un épisode de sa vie tout droit sorti d'un film d'action. Après un vol interminable entre la Chine et Paris, elle somnole dans la voiture qui l'emmène de l'aéroport à la capitale. J'étais sur l'autoroute et j'avais les yeux fermés quand j'ai entendu ce bruit terrible, comme si la voiture avait heurté quelque chose, s'est souvenue l'actrice. Plus grand que à lire aussi, j'avais un Oscar mais pas d'assurance maladie. Hilary Swank dénonce le problème des salaires et son regard, j'ai ouvert les yeux et je me suis retournée parce que le bruit continuait, et quelqu'un a frappé la vitre et attrapé mon sac, en pleine autoroute, a continué Hilary Swank. Faisant fi du trafic, l'actrice s'élance alors à la poursuite du voleur. Je courais et courais encore sur le côté de l'autoroute en le poursuivant. Et il s'est retourné et m'a fait un regard qui disait « Je vais te tabasser ». Je me suis arrêtée en me disant « Ce n'est pas un film. Je ne suis pas une actrice à cet instant-là. C'est réel, personne ne va dire « Coupé ».